أي الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 6 sur le cours de parallélisme et perpendicularité niveau première année collégien royaume du Maroc. En observant la figure suivante, complétez chaque cas avec appartient ou n'appartient, appartient et appartient, n'appartient pas. Donc vous avez ici la droite qui contient les points A, B, C, D et E. Ici vous avez le point F. Le point C, est-ce qu'il appartient au segment AB ou pas? Le point D, est-ce qu'il appartient au segment AB ou pas? Ainsi de suite. Prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse, complétant chaque cas avec appartient ou n'appartient pas. Le point C, est-ce qu'il appartient au segment AB? Voici notre segment AB. Et le point C se trouve ici. Oui, évidemment, le point C n'appartient pas au segment AB. Il se trouve à l'extérieur de ce segment. Le point D, est-ce qu'il appartient au segment AB? Oui, le point D, lui aussi, n'appartient pas au segment AB. Le segment AB, c'est celui-là. Donc, le point D n'appartient pas aussi à ce segment. Le point D, est-ce qu'il appartient à la droite AB? Le point D, est-ce qu'il appartient à la droite AB? Oui, le point D appartient à cette droite AB. Donc, je vais mettre ici « appartient ». Le point A, est-ce qu'il appartient à la demi-droite BD? C'est-à-dire la demi-droite d'origine B et qui passe par le point D. Oui, le point A n'appartient pas à la demi-droite BD. Maintenant, le point E, est-ce qu'il appartient à la droite AB? Oui, le point E appartient à la droite AB. F. Le point F, est-ce qu'il appartient à la droite AE? Le point F se trouve à l'extérieur de la droite AE. Donc F n'appartient pas à la droite AE. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun, Marrakech. Au revoir.